Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à la chanson 18h30. Aujourd'hui, séance un petit peu particulière, il y a beaucoup de tensions partout, ça se dispute, ça se chamaille un petit peu partout. Moi par exemple, regardez, aujourd'hui on va coller les gamins, tout n'est pas simple. Donc je propose un petit peu de vous apprendre à gérer les situations de stress et de conflit grâce à un petit tuto bagarre. Donc on fait la chanson, mais ensuite, restez pour le tuto bagarre. Musique. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand on reste chez soi et qu'on fait rien, c'est pas le rêve de s'enfermer ensemble. Ça suffit pas toujours de promener le chien. C'est drôle, hier on s'amusait, et c'est à peine si l'on trouvait le temps pour regarder sur TF1. Et maintenant qu'on se confine, on mate de tout, même Joséphine. Et le pire, c'est qu'on rêve un ange gardien. On s'est aimé comme on se confine, tout simplement sans penser à demain. À demain qui pourrait arriver plus vite. Si tu te taisais un peu, on entendrait la fin. On fait ce qu'il faut à tour de rôle. On travaille, on range, on gueule un peu sur les mômes qui ont toujours fait quelque chose. C'est vraiment pas facile d'en gérer deux. Et l'on sait bien que tôt ou tard, enfermé du matin au soir, on va finir par se taper dessus. Que le repas, on va le bâcler, qu'on va s'user devant la télé, avec nos idiots de gosses sur leur PSP. On s'est aimé comme on se confine, enfermé sans soleil et sans jardin. Sans jardin avec des journées qui se terminent, à cacher son portable au fond d'un vieux bouquin. Salamé, Pujadas et tous les autres, sur vos petits écrans, parlez en paix. Depuis les canapés où l'on se vautre, on vous regarde toujours un peu inquiet. Allons petit, il faut sortir, j'ai imprimé, ça peut servir, une déclaration pour chacun si tu veux. On va se faire une grande sortie et la caissière du Franprix va encore nous dire qu'on rentre que deux par deux. On s'est aimé comme on se confine, sans savoir si ça aurait une fin. Une fin, et si on saurait rester digne, pleurant et suppliant devant notre médecin. Merci beaucoup à vous, à demain, et puis surtout, de la chaleur. Comme prévu, on se retrouve pour le petit tuto bagarre. Écoutez, on va pas se mentir, on vit une période difficile, il y a des tensions un peu partout. Il faut s'imposer pour avoir les pains au chocolat le matin à la boulangerie. Trouver des paquets de pâtes, c'est le parcours du combattant. Donc, moi, il me semble un peu utile de vous transmettre un petit peu de mon savoir, issu de la maîtrise de nombreux arts martiaux par le passé, le shushitsu, le fuchimu, et un petit peu le barbecue aussi. Et notamment, vous apprendre comment
respecter et vous faire respecter dans le contexte de la pandémie à partir de gestes du quotidien. Voilà, c'est un petit peu ça la démonstration. Donc, je suis avec mon assistante ici, je vais vous montrer un petit peu trois techniques. Tu bouges pas toi. Trois techniques un petit peu. Voilà, première technique, elle se passe en deux temps. Il faut une montre, quelqu'un vous... Voilà. Mets-toi, ouais. Attention, ça va se passer vite. Joker, il est. Voilà, ça c'est assez efficace. Bref, toi, il y a rien de faire l'enfant. Hop, hop. Deuxième technique, ouais, mets-toi là. Deuxième technique, c'est parti. Oh, je ferme la scène, moi, tiens. Voilà. Voilà, et troisième technique. C'est un peu basé sur la surprise, parce que c'est aussi dans le mental. Hein. Il faut comprendre que la bagarre, c'est évidemment le gabarit, vous avez compris. Vous savez un peu à qui vous avez affaire, mais c'est aussi une histoire mentale. C'est ça que je veux vous apprendre. Regardez. Oh, la bite à Griveaux, regarde. Et voilà, ça vous fait trois techniques. Avec ça, normalement, vous êtes paré. Voilà, merci à vous pour ce petit tuto bagarre. Et on se retrouve demain pour la chanson, comme d'habitude. Un dernier mot avant de partir. Ai-je besoin de préciser qu'aucun enfant n'a été blessé dans ce petit tuto bagarre et que l'enfant en question s'est plutôt beaucoup amusé? Pour l'enfant sans danger, la vraie, si vous êtes témoin d'actes de violence contre des personnes vulnérables et surtout contre des enfants, le numéro d'urgence, c'est le 119. Voilà. Merci à vous, à bientôt.